Chaque inspecteur possède des compétences propres qui influent sur ses enquêtes. Certains font parler les témoins plus facilement, d'autres sont plus aptes à découvrir les preuves matérielles, d'autres encore ont un sens inné du travail en équipe ou démontrent avec aisance la présomption sérieuse. Quels sont vos points forts ? Bora, Bora, je ne peux même pas aller voir mon neveu dans le New Jersey. Il faut savoir penser à soi-même. Moi, je me suis dit, et puis pourquoi pas après tout ? Et le jour même, je m'offrais une croisière. Vous savez vous faire plaisir, Madame Yost. On n'a qu'une vie, Al. Profitez-en au maximum, vous et votre femme. Dès que tous les enfants seront partis, Madame Yost, qu'est-ce qu'il a klaxonné sans arrêt, celui-là ? Pardon. Une balle dans la tête. Nous avons interrogé tout le voisinage sans trouver de témoin. La victime se fait descendre dans une rue bondée de New York. Le crime parfait. Il a toujours sa Rolex en or. Un voleur ne serait pas parti sans cette montre. C'est le portier là-bas qui a découvert le corps. Je lui ai demandé de vous attendre. On peut jeter un coup d'œil tant qu'on y est ? Allez-y, la zone est sécurisée. C'est pas beau à voir. Mais on va s'amuser. L'assassin ne voulait pas voler la voiture. Fermée à clé. C'est ça. Une adresse à Long Island. Qu'est-ce que M. Ramos pouvait faire là-bas ? Je suis l'inspecteur Briscoe. Nous avons quelques questions à vous poser. À votre service. Depuis 15 ans que je suis portier, c'est la première fois que je vois ça. Vers 8h moins le quart, dès que je suis sorti de l'immeuble, j'ai entendu le klaxon. J'ai dû quitter mon poste 5 minutes, 10 au maximum. J'étais au 8e pour aider Madame Yost à descendre ses valises. Un peu tôt pour aller à la pêche aux étrennes. Oui, maintenant que vous le dites, j'ai cru que c'était un pot d'échappement. Rien du tout. L'immeuble est plutôt calme. Il y a surtout des personnes âgées qui sortent peu. Pas avant ce soir. Il s'est garé et a sonné chez la fille du 4B. Comme personne ne répondait, il a laissé un message sur son répondeur et il est remonté dans sa voiture. Je crois qu'il s'appelait Ramos. Je lui ai demandé s'il voulait quelque chose, il m'a envoyé paître. Ensuite, Madame Yost est venue me chercher. Il devait être 19h30. Alors, ça fait plutôt un quart d'heure à l'étage. Nommée Linda Keller. Ni âgée, ni calme, ça c'est sûr. Les voisins se plaignaient du volume de sa musique. Je l'ai vue partir ce matin, mais pas revenir. Au fait, si j'ai quitté mon poste, c'est parce que Madame Yost avait un rôti qui allait finir à la poubelle. Enfin, vous me comprenez. Pas de problème. On ne dira rien à votre patron. Et bien évidemment, il faut que le témoin oculaire rêvé s'éclipse au moment précis où un crime a lieu devant l'immeuble. Il est temps d'aller faire notre rapport à Van Buren. Il ne s'agit pas d'un vol ordinaire. C'est peut-être un vol de voiture. Ramos résiste, le coup part, et voilà, on a notre crime.
Le verrouillage des portières est centralisé. Toutes les portières sont fermées, sauf celle du passager. Donc, Ramos a laissé entrer l'assassin. Ce qui veut dire... que Ramos connaissait son meurtrier. Prouvez-moi que vous n'êtes pas payé à rien faire. Salut, je suis ravi de vous revoir, mais je n'ai rien de nouveau pour vous. Si vous avez besoin d'analyse, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver. Excusez-moi, mademoiselle. Ça ne prendra pas longtemps. Laissez tomber le mademoiselle, d'accord? J'ai une sale journée. Si c'est pour ce qui s'est passé en bas, je ne sais rien. Oui, bien sûr. Je travaille pour lui. Et si vous me disiez pourquoi vous me cuisinez comme ça? Ramos a été tué d'une balle devant chez vous. Il est médecin, il a pas mal d'argent, il est du genre dingue de boulot. Il lui fallait quelqu'un pour ses affaires personnelles, aller au pressing, réserver les billets d'avion, lécher les timbres, tout ça. J'étais son assistante. Depuis 3 semaines, j'arrive de Buffalo, il me fallait un petit boulot le temps que je trouve mes repères ici. Vous ne nous avez pas dit si Ramos venait vous voir ou pas? Oui, il devait passer me donner mon chèque de fin de mois. Écoutez, ne le répétez à personne, surtout pas aux autres flics. Il me devait 5 000 $. Au Black. Jamais. À mon avis, il cachait à ses collègues qu'il avait une assistante. Il ne parlait jamais de son travail. Il devait passer à 7h30. J'étais retardée en ville et je suis rentrée à 19h45. J'ai pensé que je l'avais raté et que j'allais devoir esquiver le proprio encore un jour ou deux avant de revoir le docteur Ramos et récupérer ma paye. Jolie vue. On pourrait presque lire le numéro d'immatriculation de Ramos. Ce gars passe son temps à se faire refiler des pourboires par les vieux. Je ne peux pas le saquer. Alors je rentre par le garage pour l'éviter. Je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Si on a d'autres questions, on vous rappellera. Merci. 5 000 $ pour aller au pressing? À mon avis, Keller léchait autre chose que des timbres. Ça ne me surprendrait pas que ce soit une professionnelle. Et Ramos, un bon client. Ici Kim, du labo. Vos tests sont terminés, passez quand vous voulez. Toutes nos condoléances, Madame Ramos. Nous avons quelques questions à vous poser. Allez-y, demandez-moi ce que vous voulez. Il m'a appelé à 5h en disant qu'il arriverait trop tard pour dîner. Il était directeur de la recherche au laboratoire Avril Labs, spécialisé en biotechnologie.
Vous avez peut-être lu une récente interview de lui dans le New York Times. À ma grande honte, c'est tout ce que je sais de son travail. Surtout ces derniers mois, William m'a dit qu'il s'agissait d'un projet spécial, mais qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails. Je sais juste que c'était très stressant et qu'il avait d'affreuses migraines. Il dirigeait pas mal de monde, mais je pense à quelqu'un en particulier, Diana Quinn, coordinatrice de la recherche. Non, je ne savais pas. Non, je ne vous permets pas. William et moi avons passé 25 belles années de mariage. Pour mon mari, les amis et la famille passaient avant tout. Jamais il n'aurait mis tout cela en danger. Pardonnez mon collègue, Madame Ramos, il débute. C'était dit sans malice. Merci pour tout. On n'est pas ici pour se faire des amis. Certaines questions sont inévitables. Je sais que c'est un coup dur pour vous et pour le labo. Pour moi, c'est une question de temps. Et pour le labo, c'est une perte inestimable. Son travail allait avoir des retombées mondiales. Oui, grâce à mon expérience en fertilisation in vitro et certaines méthodes de recherche personnelle, nous tentions de produire des organes humains hors du corps humain. On appelle ça la régénération cellulaire. Si vous voulez des détails, ça prendra une bonne heure. Confidentiel ? A priori, tout le monde ici a accès aux données de tout le monde. Ceci dit, le docteur Ramos était un peu excentrique. Il gardait certains résultats pour lui, mais rien de véritablement important. Au point de l'assassiner ? C'est impossible. Le docteur Ramos était un génie. Pour la plupart d'entre nous, c'était déjà un privilège de travailler avec lui. Si je me rappelle bien, il est parti tôt du labo pour boire un verre avec Donald Kent. C'est le fondateur du laboratoire. C'est lui qui a engagé le docteur Ramos pour sa réputation. Il a créé le laboratoire Avery Labs pour avoir sa photo dans le journal. Le docteur Ramos, lui, cherchait juste un endroit pour mener ses recherches. Il devait justifier la moindre dépense à Kent, qui le surveillait en permanence. Et pourtant, le docteur Ramos avait l'air heureux de se tuer à la tâche ici. Si vous vous souvenez de quelqu'un qui lui aurait voulu du mal, appelez-nous. Merci pour vos réponses. À l'entendre, Ramos aurait dû finir prix Nobel. Qui aurait bien pu vouloir sa mort ? Merci d'être passé. Par quelle preuve voulez-vous commencer ? On a un pouce et trois autres doigts de la main droite. Des empreintes claires, mais non fichées. Ça doit être un petit nouveau. J'espère qu'elles pourront quand même nous servir. J'espère que j'appelle au bon numéro. Ici Marie Ramos, la sœur de Billy. Je vous appelle de Houston. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir la mort de mon frère. Désolée, c'est tout ce que je peux faire. J'espère que vous trouverez le coupable. Tout ça grâce à quelques becs Bunsen et deux, trois éprouvettes. Pas tout à fait, inspecteur. Ma fortune, je l'ai gagnée à l'ancienne, en naissant riche. Avery Labs n'est que mon dernier hobby. Certains jouent au golf, moi je joue avec l'avenir, et l'avenir, croyez-moi, c'est la biotechnologie.
Hier, vers 16h30, dans le quartier ouest, on se retrouvait une fois par semaine pour faire le point. Il avait l'air satisfait de l'avancée de notre dernier projet. Et quand quelqu'un comme Ramos est satisfait, inutile d'être un génie pour savoir que tout roule. Vous savez, inspecteur, nos recherches pourraient vous intéresser. Nous pourrons bientôt vous donner un foie de rechange. Le seul foie qui m'intéresse, c'est un bon foie de veau brisé. Je crois que son couple battait de l'aile. Il y a 2 mois, lors d'une réception, Madame Ramos est venue me cuisiner sur ce que faisait son mari tard le soir. Elle était persuadée qu'il avait une maîtresse. Je ne sais pas trop, il a prétexté une migraine pour me fausser compagnie tôt, en me disant de l'appeler à l'hôtel le lendemain matin. Le J-Roby, un petit hôtel tranquille, pas loin du labo. Chambre 218, si je ne m'abuse. Quand il travaillait tard, c'est là qu'il passait la nuit, à mes frais. Nous n'avons plus de questions pour l'instant, Monsieur Kent. Vous nous autorisez à jeter un coup d'œil au labo ? Désolé, mais je dois refuser. Le laboratoire contient des produits très instables que le moindre choc peut dénaturer. Je comprends, mais si la situation l'exige, nous devrons revenir avec un mandat. Merci pour votre aide. Une chambre d'hôtel tranquille au nom de quelqu'un d'autre. Le docteur y faisait peut-être autre chose que dormir. Mon nom est Mike Visseglia. Je vous appelle parce que j'ai appris la mort de ce docteur dont j'ai oublié le nom. Un soir au restaurant, il a sauvé mon frère qui s'étouffait. C'était il y a à peu près 2 mois. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Alors, docteur, les morts vous ont parlé ? Oui, Ramos m'a fait quelques révélations. Que pouvez-vous nous dire sur le coup de feu qui l'a tué ? Abattu à bout portant. J'ai trouvé des traces de poudre sur son cuir chevelu. Donc, d'après vous, le tireur a pointé le canon contre le crâne de Ramos ? C'est probable. Le crâne présentait également de petites contusions qui corroborent mon idée. Le tireur a dû appuyer le canon de son arme avec force contre le crâne de Ramos. Pourquoi le tireur aurait-il pris son temps pour abattre Ramos ? Aucune idée. Il voulait peut-être extorquer au docteur des informations d'ordre médical. Encore une chose, la trajectoire de la balle indique que Ramos avait la tête tournée vers le tireur. Peut-être qu'il le suppliait ? En général, on tire plutôt dans la nuque. C'est rapide, propre et professionnel. Mais ici, c'est tout le contraire. Merci pour les infos. Toutes les preuves en rapport avec le corps sont ici. Jetez un œil si vous voulez. De l'arme du crime, je dirais que le meurtrier a utilisé un petit calibre, sans doute un revolver. La fragmentation suggère une arme assez usée. C'est la chemise qu'il portait, elle est maculée de sang. Hématome sous du rose subi avant le coup de feu. 2 près de la blessure d'entrée, sans doute causée par le canon de l'arme. Un autre plus étendu de l'autre côté du crâne. Autour de la plaie de sortie, des éclats de verre sont logés dans le cuir chevelu. La victime a dû heurter le pare-brise. Traces de poudre près de la plaie d'entrée, confirmant le tir à bout portant. La trajectoire de la balle suggère que la victime avait la tête tournée vers le tireur. Traces de sang séché dans le nez de la victime, peut-être dû à un saignement récent. Fermé à clé. C'est ça. Thank you.
Pas de nom, pas de numéro, pas même un petit dessin. Ramos avait dit à sa femme qu'il ne rentrerait pas dîner. Apparemment, il n'allait pas non plus rentrer pour le petit déjeuner. Je me demande si ça pourrait nous aider. On dirait que Ramos n'était pas seul. Je doute que Ramos soit venu ici pour commander un sandwich au salami. Une invitation à une soirée entre avocats. Tout un programme. Qu'est-ce que c'est? D'un certain Martin Tanner. Je me demande ce que ça cache. Merci de nous avoir accordé un instant. Nous pensons qu'en tant qu'avocat de Ramos, vous pourrez nous aider. Je ne suis pas son avocat. Bill et moi sommes de vieux amis. On s'est connus à l'université du Michigan. Mercredi dernier, on se retrouvait pour jouer au squash ou déjeuner. Il me parlait de ses recherches contre le cancer et moi de la nouvelle catégorie de ventilation du répertoire C. Il consacrait beaucoup de temps à un projet spécial. Je le sais parce qu'il voulait que j'investisse dedans. Bill cherchait à constituer un petit groupe d'investisseurs de façon purement confidentielle. À cause de Kent, ils étaient en désaccord sur la gestion du labo. Bill ne voulait pas que Kent s'en mêle, et Kent, si. Après tout, c'était lui le fondateur. Bill est venu me voir parce qu'il avait fait une découverte qu'il ne voulait pas partager avec Kent. Il voulait trouver un financement pour en avoir l'exclusivité. À l'entendre, c'était l'affaire du siècle. Je suis avocat fiscal, pas spécialiste de la régénération cellulaire. Bill est un génie de la médecine. Je suis son ami. Mais j'ai déjà vu des affaires du siècle capoter. Cette fois, j'ai dû refuser. Kent poussait Bill à réduire les dépenses et bâcler la phase de test. Bill s'y opposait farouchement. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit sur Bill, mais d'un point de vue éthique, il était irréprochable. C'est son éthique extra-professionnelle qui nous intéresse. Tout ce dont je suis certain, c'est que Célia ne partageait pas son amour du travail. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'elle lui suffisait. Il paraît qu'elle lui faisait toujours des scènes parce qu'il travaillait tard, avec une jeune et jolie chercheuse. Une jeune et jolie chercheuse à Avery Labs? Tiens donc. Salut, ici Paul de la criminalistique. J'ai terminé vos tests. Si vous voulez qu'on en discute, je suis là. Thank you.
On s'est garé dans l'allée, j'espère que ça ira. Nous ne serons pas longs, Monsieur Tanner. Il n'y a pas de problème. Le pick-up est à moi et ma femme ne rentrera pas avant quelques heures. Oh là là. Ce pauvre docteur Ramos. Ma femme et moi avions investi dans ces travaux. C'est un peu notre dada de placer notre argent. C'est Cindy, ma femme, qui a décidé. Elle travaille dans une pharmacie. Elle a lu un article sur Avery Labs et nous les avons contactés pour savoir s'ils cherchaient un financement. Vous devriez en parler avec Cindy. Elle pensait que le labo avait de l'avenir et jusque-là, elle avait eu du flair. Il y a quelques années, on a gagné beaucoup d'argent grâce à l'action Cellcom. On ne vivrait pas ici sinon. Oui, je crois. D'après lui, le labo allait devenir très rentable dans les prochains mois. Et plus il lèverait de fonds, plus ses recherches seraient fructueuses. Bien, c'est à peu près tout, Monsieur Tanner. Nous vous recontacterons si nous avons d'autres questions. Ramos, une poule aux œufs d'or? En tout cas, les Tanner en sont convaincus. Je ne sais pas si je suis au bon numéro. Ici, c'est Tom Wilkins, réceptionniste de l'hôtel J. Roby. Je viens de parcourir le relevé de téléphone et M. Ramos n'a ni reçu ni passé de coup de fil durant sa dernière nuit chez nous. Voilà, ça ne vous avance sans doute pas, mais je voulais vous le dire. Tiens, ça fait un bail. Voulez-vous des détails sur quelque chose? Le verre porte de belles empreintes de pouce et index gauche qui concordent en tout point avec celles du docteur Diana Quinn. Les agents fédéraux avaient pris ces empreintes lorsqu'elle a été mandatée pour étudier les effets des lignes à haute tension sur les grossesses in vitro. Pourquoi donc ce bon docteur n'a-t-il pas dit qu'elle était avec lui à l'hôtel? Merci d'être passé. Par quelle preuve voulez-vous commencer? Comme vous le savez, c'est un chèque à l'ordre de William Ramos, émis par Martin Tanner. Il peut nous servir d'échantillon graphologique, mais c'est tout. Le verre porte de belles empreintes de poussière. Van Buren, du poste de police. Si vous voulez des résultats, utilisez la bonne vieille méthode. Poussez l'interrogatoire jusqu'à ce qu'ils invoquent un avocat. Vous partez déjeuner, docteur? Je croyais avoir répondu à toutes vos questions, inspecteur. En effet, mais cette fois nous voudrions la vérité. Venez avec nous. Je connais un endroit en ville où l'on sert du jus de chaussette et des sandwichs froids. N'essayez pas de nous embobiner. On n'aime pas les gens qui pensent pouvoir s'en tirer par des mensonges. Je ne vous ai pas menti. Sûrement pas. Et arrêtez de me harceler, si vous ne pouvez pas prouver ce que vous avancez. Très bien. Écoutez, oui, nous avions une liaison. Mais si je pensais que cela avait un rapport avec sa mort, je vous l'aurais dit. Deux mois. Bill était tellement rongé par le remords qu'il a fini par avouer notre liaison à Celia. Et le plus incroyable, c'est que Celia ne lui a demandé qu'une seule chose, qu'il cache son adultère à tous leurs amis du quartier. Tout ce qu'elle voulait,
c'était éviter d'être exclu des réceptions mondaines. Je ne cherchais pas un mari, inspecteur. Je suis publiée dans le New England Journal. Si l'affaire s'ébruite, on ne me prendra plus au sérieux. Je ne voulais pas voir ma vie professionnelle ruinée par cette affaire. Je ne connais pas de projet secret. Ces recherches étaient très diversifiées. Je n'étais pas au courant de tout. Si nous avons d'autres questions à vous poser, nous vous contacterons. Ils travaillent ensemble, mangent ensemble, couchent ensemble, mais elle ne sait pas sur quoi ils travaillent. Ici Scott, des archives. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Passez me voir si vous voulez qu'on en discute. Bonjour, ici l'hôtel J. Robbie. Je me suis aperçu, en consultant nos registres, qu'au cours des deux derniers mois, le docteur Ramos a passé 5 nuits chez nous, toujours dans la même chambre. Je ne sais pas si ça vous mènera quelque part, mais je préfère vous le signaler quand même. Vous savez pourquoi nous sommes là. J'aimerais mieux ne pas le savoir. Je vois que vous ne connaissez pas le milieu que nous fréquentons. Si quelqu'un comme mon mari a une liaison, il sera exclu du groupe pendant 2 ou 3 mois. Mais moi, je resterai pour toujours l'ex-madame Ramos. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner mon statut parce que mon mari n'a pas su garder son pantalon. J'ai engagé un avocat pour trier nos dossiers et j'ai découvert que mon génie de mari était au bord de la faillite. Non seulement il m'a humiliée, mais il m'a également ruinée. Au final, je n'avais vraiment plus le cœur à engager une procédure de divorce. Il aurait bien fini par retrouver la raison. Je ne vous ferai pas l'honneur de répondre. Vous savez où est la sortie. Alors Ramos était fauché. Pourtant, il n'avait pas l'air de manquer d'investisseurs. Ici Rawlins, de la surveillance. On a gardé un œil sur Diana Quinn, comme vous nous l'aviez demandé. Mais rien d'anormal jusqu'ici. Je vais dire à mes gars de continuer à la surveiller. J'ai comme dans l'idée qu'il va falloir être patient avec elle. Ici Van Buren. Si vous pensez que quelqu'un vous cache quelque chose, vous pouvez peut-être obtenir un mandat de perquisition chez le juge. Je pense que vous tenez une présomption sérieuse. J'aimerais que ce message parvienne aux inspecteurs qui harcèlent ma fille Diana Quinn. Je suis sa mère, Joyce, et je ne tolère pas vos intimidations. Diana est une femme accomplie et intelligente, que vous devriez traiter avec tout le respect qu'elle mérite. La femme de Ramos nous a dit qu'il avait des problèmes financiers. S'il lui a caché quelque chose, la réponse ne peut être qu'à son bureau. Apparemment, Ramos était du genre cachotier. Vous croyez vraiment que Kent ignorait ce qu'il faisait au labo? Il voulait peut-être cacher certains résultats négatifs par peur de perdre le financement de Kent. Ça me suffit. Allez voir ce que vous pouvez trouver pendant que je demande l'approbation du juge. Ce mandat est valable pour chaque dossier, chaque éprouvette, chaque pipette. Je pensais pourtant avoir été clair. Ceci est un laboratoire privé. Si vous y mettez votre nez, vous compromettez les tests en cours. Détruisez ne serait-ce qu'une culture, et c'est tout le test qui est à refaire. Alors assurez-vous que vos boîtes de pétri sont bien fermées. Très bien. Allez-y. Mais s'il y a un problème, je vous tiendrai pour responsable.
Voilà qui pourrait peut-être nous aider.
pas content, le gaillard. Voilà qui pourrait être utile pour notre enquête. Ici Alex Morgan. Bill et moi étions colocataires à l'Université de Columbia. Je l'ai perdu de vue depuis quelques années, mais je voulais vous dire que les anciens de Columbia offrent une récompense à celui qui trouvera l'assassin. C'est le moins qu'on puisse faire. Content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les Tanner. Martin vient de la Nouvelle-Orléans et Cindy du Queens. Je ne sais pas depuis quand Martin habite à New York, mais ils se sont mariés il y a 6 ans. On ne sait pas grand-chose de Martin. Il a été arrêté il y a 4 ans pour une bagarre dans un bar et il a purgé une peine pour délit mineur. Martin travaille depuis 4 ans chez Airways Delivery. Cindy depuis 3 ans dans une pharmacie. Il y a une adresse à la Nouvelle-Orléans sur leur rapport financier. Pas mal de problèmes de ce côté-là. Une double hypothèque sur la maison, 2 saisies, pas très reluisant. Dans les 8 derniers mois, ils ont versé 100 000 dollars en chèque au docteur Ramos. C'est moi, Van Buren. Le mandat de perquisition est toujours valide. Si vous êtes coincé, réexaminez la preuve. Merci d'être passé. Je pense que ce que j'ai vu va vous intéresser. Tiens, ça fait un bail. Voulez-vous des détails sur quelque chose? Bonjour, ici Scott, des archives. J'ai fini vos recherches. Passez quand vous aurez le temps. On a fait les recherches que vous vouliez. Par où on commence? J'ai fouillé tout le disque dur. Je n'ai pas trouvé grand-chose d'important, à part peut-être un email de Kent. Il est codé. J'espère que vous arriverez à le déchiffrer. Avenue South.
Beau travail, inspecteur. On dirait qu'il y avait de l'huile sur le feu entre ces deux-là. WTR, ça doit être votre victime. Vous avez un témoin dont les initiales sont DSK ? Salut, ici Paul de la criminalistique. J'ai terminé vos tests. Si vous voulez qu'on en discute, je suis là. Ici Van Buren. Je suis au poste. On a besoin de certitude. Retournez voir l'un des témoins, histoire de voir si sa langue s'est déliée. Merci d'être passé. Par quelle preuve voulez-vous commencer ? La graphie du mot est identique à celle du chèque que Martin Tanner a fait au docteur Ramos. La concordance est évidente car les A et les R ont une forme particulière. On dirait que Tanner donnait d'une main ce qu'il prenait de l'autre. Mon mari n'est pas là, mais il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Si c'est tout ce que vous avez, je n'ai rien à ajouter. La graphie de ce mot concorde avec celle du chèque de votre mari. Ne m'en veuillez pas, Madame Tanner, mais votre mari n'est pas exactement la bonne humeur incarnée. Nous n'avons absolument rien à cacher, inspecteur. Mon mari a écrit ce mot à ma demande. Le docteur Ramos nous avait dit que notre investissement serait consacré à un projet spécial. Mais récemment, il nous a annoncé l'abandon du projet. Nous avons eu peur de la situation financière du laboratoire Avery Labs et nous avons voulu retirer notre argent. Le docteur Ramos avait fait la sourde oreille jusque-là, se contentant de nous renvoyer à sa comptable, Shirley Cho. Mais il ne lui a jamais demandé de nous rembourser. Le docteur Ramos avait confiance en l'avenir financier du laboratoire Avery. Il avait garanti une période de 6 mois durant laquelle nous pourrions, sous certaines conditions, être remboursés intégralement. Et vous avez gobé tout ça ? Parce que si ça vous intéresse, moi je vous vends la statue de la liberté. Au moment même où le docteur Ramos mettait fin soudainement à son projet, nous avons trouvé une autre opportunité d'investissement à saisir rapidement. Vous ne pensez tout de même pas ? Si vous voulez savoir, il a passé la soirée avec moi avant d'aller travailler à 19h30. Si vous n'avez pas d'autres questions, je dois préparer le dîner. Difficile de savoir s'il dit la vérité. Ce ne serait pas la première femme à mentir pour protéger son mari. Mais en l'absence de preuves concrètes à leur sujet, nous allons devoir les croire sur parole. Les registres du labo étaient tellement confus que je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider. Oui, en théorie, je m'occupais des comptes de Donald Kent, mais en pratique, je devais démêler le sac de nœuds financiers laissé par le docteur Ramos. J'ai fini par être renvoyée à cause de ça. Je me suis trouvée au milieu d'un conflit entre le docteur Ramos et M. Kent. Le docteur Ramos faisait des dépenses et M. Kent voulait savoir pourquoi. Ça me paraît normal qu'un investisseur soit tenu informé de l'utilisation de son argent, non ? Tout à fait. Mais comme Ramos avait carte blanche pour les investissements du labo, il était devenu impossible de savoir où partait l'argent. Je l'ai signalé à Kent, mais il n'en a pas tenu compte. Pour lui, Ramos était un saint. «
Durant la semaine précédant le meurtre, il m'appelait deux fois par jour en demandant à parler au docteur Ramos. Mais le docteur Ramos m'avait ordonné de les faire attendre le temps qu'il vit d'un autre compte. Bien sûr, je n'avais aucune idée ni de l'utilisation de cet argent, ni de sa provenance. C'était le cobaye d'un de ces tests. Voilà un bon exemple du chaos qui régnait au labo. Je l'avais prise pour un cadre commercial d'une société médicale, et un jour, elle m'appelle pour me demander son bulletin de paie. C'était surréaliste. S'il y en a, Ramos devait les conserver en sécurité dans son bureau. J'ai gardé sa clé. Si vous pensez que ça peut vous être utile, prenez-la. Quand la comptable elle-même ne sait pas où passe l'argent, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Fermé à clé. Un petit boulot qui exige une décharge médicale de 15 pages. Écoutez, je vous ai dit que j'étais juste son assistante. Si vous avez du nouveau, dites-le-moi. Sinon, laissez-moi tranquille. Une assistante qui signe une décharge médicale de 15 pages? Si vous voulez nous dire quelque chose, c'est le moment. Très bien, c'est votre travail. Mais ne croyez pas que je vous ai délibérément caché quoi que ce soit. Dès mon arrivée à New York, j'ai postulé pour un emploi administratif. Ramos m'a proposé de devenir sujet de test. Il cherchait de jeunes femmes en bonne santé pour devenir mère porteuse. J'étais un peu réticente au début, mais il m'a convaincue de contribuer au progrès de la science en étant la première femme à porter un bébé cloné. Et puis c'était aussi très lucratif. Je pensais que l'accord de confidentialité que j'avais signé était toujours valide après la mort de Ramos. J'attends une forte somme, et je ne veux pas la perdre. $20,000 en tout, un acompte de $5,000 que Ramos avait avec lui la nuit du meurtre, et le reste au fil de l'expérience. La semaine dernière, mais Ramos a suspendu le projet sans me dire pourquoi. Il avait promis de me payer jusqu'à ce que ça reprenne, mais je n'ai pas reçu un sou. Vous vous prenez pour mes parents? Ça ne vous regarde pas. Vous pensez que j'ai tué le docteur Ramos pour quelques milliers de dollars? Je n'en suis pas réduite à ça. Si vous pensez que j'ai abattu Ramos, arrêtez-moi, sinon fichez le camp. Il est temps de partir. Elle nous cache quelque chose, mais elle a raison. On ne peut pas traîner quelqu'un devant les tribunaux pour mauvaise conduite. Inspecteur, ici Van Buren. Et si vous essayiez une opération de surveillance? Demandez à Rollins de suivre quelqu'un. J'ai beaucoup de travail, messieurs. Vous voilà dans mon laboratoire, alors à moins que vous ayez découvert quelque chose que j'ignore, je n'ai rien d'autre pour vous. Laissons tomber les mondanités, monsieur Kent. Nous savons ce que mijotait Ramos. Alors vous savez pourquoi je me suis tenu à l'écart.
L'objectif du labo Avery a toujours été la recherche organique. Ce projet de clonage en est encore à ses débuts, mais Ramos m'a confié qu'il y pensait depuis des années. J'ai donc décidé d'engager Ramos à cette fin. Bien sûr, j'avais peur d'être la cible d'espionnage industriel ou de diffamation. Il nous fallait donc opérer dans le plus grand secret. Si j'avais été au courant, j'aurais mis Ramos à la porte et je l'aurais poursuivi en justice jusqu'à la fin de ses jours. Ramos avait signé avec nous un accord d'exclusivité sur ses recherches au sein du laboratoire. Clonage compris. Je ne sais pas trop, le docteur Ramos n'a pas laissé grand-chose. C'est absolument ridicule. Si nous avions développé la technique du clonage, vous croyez que je la garderais pour moi? L'accord que j'avais avec Ramos me convenait. Alors, pourquoi l'aurais-je tué? Non, je peux vous l'affirmer parce qu'il n'aurait jamais pu me cacher ça. Je passais au laboratoire au moins une fois par semaine. Si Ramos m'avait dissimulé quoi que ce soit, je l'aurais su. Maintenant, si vous n'avez plus de questions, je dois répondre à mon courtier. Loin de nous l'idée d'interférer entre votre argent et vous. Merci, Monsieur Kent. Difficile de savoir si Kent a voulu nous montrer qui était le patron du labo ou s'il essayait de couvrir ce qui s'y passe vraiment. Ici Rawlins, la surveillance que vous avez demandée est terminée. On peut en parler quand vous voulez. Le rapport de surveillance que vous m'avez demandé, il est là. 2 heures après mon arrivée, Keller est rentré avec des cartons et a commencé à empaqueter toutes ses affaires. À mon avis, elle ne comptait pas partir en week-end à la campagne. Vous avez dû dire un truc qui lui a fait peur. Je pense que vous voudriez le savoir tout de suite. Van Buren du poste de police. Peut-être qu'un témoin vous cache quelque chose. Un bon moyen d'en être sûr, c'est d'avoir la signature d'un juge sur un mandat. Bonjour, Diana Quinn à l'appareil. Vous avez dû trouver ça suspect, que je ne vous avoue pas tout de suite ma liaison avec Bill. Mais je veux préserver ma réputation au sein de la communauté scientifique. Si vous pouviez garder ça secret, je vous en serais très reconnaissante. Je sais que vous êtes impatient d'arrêter Keller, mais il me faut d'abord une présomption sérieuse. Elle seule savait où serait Ramos cette nuit-là. Et en plus, elle nous a menti sur ses relations avec lui. Oui, mais quelque chose coince. Keller savait que Ramos venait lui apporter 5000 dollars. Si elle l'a tué, pourquoi a-t-elle laissé l'argent? C'est ce qu'on essaye de découvrir. Bon, ça devrait suffire pour obtenir un mandat. Allez voir ce que vous pouvez trouver chez Keller. Signé par un juge. Lisez, si vous voulez. Je sais ce que c'est qu'un mandat. Donc vous savez qu'on en a pour un moment. Détendez-vous, lisez un journal. À votre avis, Keller a sa carte de membre ou elle ne fait que s'informer? Tiens, intéressant. Selon le portier, elle mettait la musique à fond. Picasso n'a pas à s'en faire. Thank you.
Ici Van Buren. Vous voulez mon avis? Vous avez besoin de renseignements. Allez parler au gars des archives. Si les preuves ont autre chose à nous dire, ils le sauront. Merci d'être passé. Je suis content de servir à quelque chose. Vous avez bien fait de passer. Par où on commence? Tiens, ça fait un bail. Voulez-vous des détails sur quelque chose? Je n'ai reçu aucune demande concernant votre affaire. Dites-moi qui vous voulez que j'évalue. Remplissez un formulaire de demande et je m'occupe du reste. Salut, ici Paul, de la CRIM. On a vos résultats d'analyse. Passez me voir et je vous ferai un petit topo. Content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? C'est un prospectus de prosélytisme pour une secte appelée les Parangons. Pour eux, la vocation de l'homme est de se purifier grâce à la génétique, en encourageant les bons caractères et en éliminant les autres. Je leur souhaite bien du plaisir pour faire le tri. Il y a encore pas mal d'autres trucs du même acabit. C'est une secte plutôt mystérieuse. Impossible de retrouver un seul fidèle. Heureux de vous voir tous les deux. De quel résultat voulez-vous qu'on parle? J'ai relevé les empreintes sur le boîtier du CD et j'ai trouvé du nouveau. Les empreintes concordent avec celles d'une certaine Brenda Lyons. Votre Linda Keller a sans doute une identité d'emprunt. À votre place, je demanderai au département de recherche de se pencher sur cette Brenda Lyons. Ça pourra peut-être vous éclairer sur les véritables motifs de ses rapports avec le Dr Ramos. Van Buren à l'appareil. Revenez au poste. Allez voir Donovan aux archives, peut-être que quelqu'un nous cache quelque chose. Surprise! Nous craignions que vous n'ayez quitté la ville à l'heure qu'il est. Je ne pourrais pas me faire un sandwich sans que vos gars en face sachent quelle mayonnaise j'utilise. Si vous trouvez ça gênant, vous allez adorer la suite. Suivez-nous. Ça ne vous regarde pas. Je ne fais pas partie de vos suspects. Si vous n'avez rien de nouveau, moi je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Bon, j'ai changé de nom. Nouvelle ville, nouveau départ. Et alors?
Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Le rapport de surveillance que vous m'avez demandé, il est là. Bonjour, ici Donovan des archives. J'ai trouvé ce que je pouvais. Passez à mon bureau si vous voulez en parler. On a fait les recherches que vous vouliez. Par où on commence? Brenda Lyons a un casier long comme mon bras. Cambriolage, vol, pyromanie, la totale. Elle est liée à tout un tas de groupes activistes militants contre l'OMC, Microsoft, l'ONU, l'OPEP. Son nouveau cheval de bataille, c'est la génétique. Elle est accusée d'avoir infiltré une société alimentaire qui produisait des OGM et d'avoir fait exploser un silo. J'ai trouvé sa photo dans le dossier du FBI. Faites-moi plaisir, voulez-vous? Dépêchez-vous. Vous vous enchaînez à un séquoia, vous frappez un flic à une manif, vous détruisez un silo à grains. C'est l'escalade, Brenda. Écoutez, je vais être très claire. Je n'ai jamais été membre d'un groupe usant de violence pour parvenir à ses fins. Dites ça au flic que vous avez tabassé à Boston. Votre prise de position contre l'OMC lui a valu 15 points de suture. Si vous pensez que le meurtre de Ramos fait partie de notre plan, vous avez tout faux. Nous infiltrons des groupes qui tentent activement de cloner des êtres humains et nous les démasquons. Je me faisais passer pour une mère porteuse pour dévoiler au monde qui sont ces gens. Je ne vais pas pleurer la mort du docteur Ramos, mais comme je vous l'ai dit, je suis contre la violence. Je comptais rendre son projet public avant qu'il ne m'implante le fœtus. Mais Ramos a suspendu le test juste avant de se prendre une balle dans la rue. Vous prenez la peine de changer d'identité, de louer un appartement, de débusquer un certain docteur Ramos, d'opérer en sous-main au labo Avery Labs. Et juste avant que Ramos fasse précisément ce que vous voulez empêcher, il se prend une balle perdue? Oui, grâce à ceci. Sur mon répondeur, j'ai un message laissé par quelqu'un impliqué dans le projet du docteur Ramos. Je l'ai reçu le lendemain de sa mort. Dans votre intérêt, quittez la ville tout de suite. C'est la voix de Martin Tanner. Aucune idée, je le connais à peine. Il pense peut-être que je sais ce qui est arrivé à Ramos. Ou bien que vous avez vu quelque chose. Votre fenêtre donne sur le lieu du crime. Laissez-moi tranquille et je vous donne la cassette. Il a vraiment le cœur sur la main, ce monsieur Tanner. Inspecteur, un petit conseil. Retournez voir si l'un des témoins que vous avez interrogé ne peut pas vous en apprendre plus. Parfois, une deuxième visite de la police peut pousser un témoin à être un peu plus causant. Oui, bonjour. Ici Madame Carmichael. Je suis une voisine des Ramos. J'ai voulu vous appeler en entendant les rumeurs qui circulaient. Je peux vous assurer que le docteur Ramos n'était pas du genre à tremper dans une affaire louche. C'était quelqu'un d'honnête. Et au nom de toute notre communauté, j'espère vraiment que vous trouverez le coupable. Veuillez nous suivre, Monsieur Tanner. Nous avons quelques questions à vous poser. Je vais avoir des ennuis si je ne vais pas au boulot. Mais vous avez déjà des ennuis. Ramos et moi étions en train de résoudre un désaccord financier. Je vous ai déjà tout expliqué.
On peut repasser la bande, Monsieur Tanner. Ça ne changera pas. Je l'ai rencontrée un jour où j'étais passé au labo poser une question au docteur Ramos. Elle m'a paru sympa et je l'ai reconduite chez elle. Elle m'a dit qu'elle participait à une expérience de clonage humain. C'était là-dedans que Cindy et moi avions investi. Je ne l'ai pas menacée. C'est ce qu'elle a cru. Je voulais juste l'avertir de ce qui se passerait une fois que la mort de Ramos et ses projets seraient rendus publics. J'ai pensé qu'elle ferait une proie facile pour les médias. Le docteur Ramos est très occupé. Il n'est pas facile à joindre. Sa comptable m'avait assuré que je serais bientôt remboursé. Je voulais juste qu'il me le confirme. Non. Comme Cindy vous l'a dit, nous avons regardé la télé et à 19h30, je suis parti bosser. À 20h pile. Si vous ne me croyez pas, demandez à mon patron, Donny Morales. Il avait l'air plutôt tendu. J'aimerais bien savoir pourquoi. Bonjour, ici Shirley Cho. Vous savez, l'ex-comptable du laboratoire Avril Labs. Enfin bref, j'étais dégoûtée d'avoir été virée, mais le docteur Ramos était vraiment quelqu'un de bien. Un peu brouillon, c'est tout. J'espère que vous trouverez le coupable. Vous assurez la maintenance de tous les camions d'Airways Delivery? Ça doit faire pas mal de boulot. En ce moment, c'est plutôt calme. C'est surtout après l'arrivée de l'avion cargo que ça carbure. Entre 8 et 10, on doit préparer en général 15 à 60 camions. Et il faut que tout soit fini avant 6h du mat, pour les livraisons du matin. Martin, c'est l'un de mes chefs mécanos. Il dirige une équipe, passe les commandes et gère le garage en mon absence. Il arrive toujours vers 20h. Cette nuit-là, il était pile à l'heure. Je m'en souviens bien, les Yankees jouaient à l'extérieur contre le Texas. J'ai vu Tanner qui entrait dans l'entrepôt juste au moment où Knobloch lançait le premier ballon. Je lui ai demandé s'il voulait parier sur les Rangers. Tiens, ouais, maintenant que vous me le dites, Martin c'est un grand fan des Rangers, mais il avait oublié qui jouait, j'ai cru qu'il se fichait de moi, il m'a répondu qu'il était resté au chevet de sa femme qui était malade. À part son manque d'intérêt manifeste pour la victoire des Rangers, non, il a travaillé aussi dur que d'habitude, il a dû même faire des heures sup le matin à cause des 4 transistors bousillés. Jetez un coup d'œil si vous voulez. Ben, son casier est là. On les utilise pas beaucoup, à part pour les bottes et le bleu de travail. Si vous voulez l'ouvrir, j'ai le passe. Ça peut peut-être faire avancer notre enquête. Ça ne va pas botter Tanner. J'en connais un qui oublie de se laver les mains avant de manger. Thank you.
Heureux de vous voir tous les deux. De quel résultat voulez-vous qu'on parle? Les bottes ont été nettoyées, mais nous avons réussi à y déceler des traces de sang. Nous avons fait des analyses et découvert qu'il s'agit du sang de la victime. J'ai hâte d'entendre les explications de Tanner. Aucun doute. Les empreintes sur le casier de Tanner concordent parfaitement avec celles sur la portière de Ramos. Ici. Ça commence à faire beaucoup de preuves contre Martin Tanner. Allez voir ce que vous trouvez chez lui. Je demande au juge de vous signer un mandat. Madame Tanner, nous avons un mandat de perquisition. Encore vous? On ne mérite pas d'être traité comme ça. Nous ferons attention à ne rien casser. Veuillez nous laisser faire notre travail. Qu'est-ce que c'est? Toujours à l'affût d'un bon placement, n'est-ce pas? Je vous ai déjà assez parlé de nos finances. Tiens, ça fait un bail. On a fait les recherches que vous voulez. Ici Scott, du bureau des archives. Nous avons fait les recherches que vous vouliez. Passez me voir pour le rapport. Merci d'être passé. Je suis content de servir à quelque chose. On a examiné la documentation des Tanner sur American Motors. Pas mal de trucs financiers, des rapports boursiers et des courbes de croissance. Ils cherchaient peut-être à investir. On continue à chercher et si on trouve autre chose, on vous rappelle. Un mécano sympa du Queens abat un scientifique mondialement connu. Même les journaux à scandale vont avoir du mal à imprimer ça. À mon avis, Tanner est parti plus tôt que ce qu'a dit sa femme. Et il a fait un petit détour avant d'aller travailler. Tanner devait savoir que Ramos allait voir Brenda Lyons. Il le retrouve en bas de chez elle, Ramos lui ouvre la portière, ils se disputent et Tanner, assis sur le siège du passager, abat Ramos. Mais oublie de nettoyer ses bottes. Ensuite, craignant que Brenda n'ait vu la scène, il la pousse à quitter la ville avant que la police fourre son nez là-dedans. C'est pas une piste, c'est un boulevard. Allez lui passer les menottes. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter? Je n'ai rien à voir avec la mort du docteur Ramos. Ça, ce sera au jury d'en décider. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez droit à un avocat. Sachez que tous les avocats n'ont pas la même approche de leurs affaires. Selon leur expérience, ils excellent dans diverses compétences.
Certains ont une connaissance encyclopédique de la loi, d'autres savent s'attirer l'aide de leurs supérieurs. Certains arrivent à trouver de nouvelles preuves pendant le cours du procès, d'autres enfin ont un flair infaillible pour appeler les bons témoins. Choisissez vos compétences et faites-en bon usage en continuant l'enquête avant le début du procès. Votre Honneur, mon client est victime d'une grossière erreur judiciaire. Maître Duncan, gardez ça pour le procès. Ceci est une audience de mise en accusation. Maître Sutherland, nous recommandons une caution $1 million, Votre Honneur. J'imagine que la défense aura son mot à dire à ce sujet. Maître Duncan ? 50 cents serait déjà trop. Mon client ne s'enfuira pas. S'il ne va pas travailler, il perdra sa maison. À la demande de l'accusation, je fixe la caution à $1 million. Votre Honneur, je demande que nous examinions ma motion d'exclusion des bottes saisies chez Airways Delivery. J'y ai adjoint une motion de non-lieu pour toutes les accusations. Quelle confiance, Maître Duncan. J'aimerais vous parler à tous en privé. Les bottes saisies dans le casier de M. Tanner ne constituent pas une preuve recevable. Elles ont été saisies sans mandat. Ce n'était pas nécessaire. M. Morales, le supérieur de M. Tanner, a invité la police à fouiller le lieu de travail en nom et place d'Airways Delivery. La police est entrée dans les locaux avec l'accord de la société. Monsieur Morales n'est pas autorisé à usurper les droits de mon client. Ce casier est la propriété de Monsieur Tanner. Dans les locaux d'Airways Delivery, qui possède le garage où travaille Monsieur Tanner. Les biens sur le lieu de travail sont donc sous la seule autorité de la société. Le casier était fermé à clé. Dans ce cas, le 4e amendement protège la vie privée de mon client. Impossible d'ignorer la déclaration des droits, Maître Sutherland. Les bottes sont exclues. Qu'en est-il du non-lieu ? Les bottes sont exclues, pas le procès. Sans les bottes, on est mal parti. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les faux témoignages multiples de Tanner et un mot anonyme plus ambigu que la Bible. Pas de mobile ? Ça reste encore flou. Nous pensons que Ramos plumait ses investisseurs et que les Tanner s'en sont aperçus. Faute de preuves, on se concentrera sur le mobile. Commencez par là. Rollins, de la surveillance. Désolé si je vous ai fait poireauter pour le rapport sur Quinn. Rien de particulier jusqu'ici. Peut-être qu'une fois le procès commencé, elle baissera sa garde. Je vous tiens au courant. Ici Wade. Maintenant que Tanner est en garde à vue, son avocat lui conseillera peut-être de faire une évaluation psychiatrique. Galloway pourrait vous être utile. Ici Donovan, des archives. On a continué à suivre la piste d'American Motors. Et on a trouvé un recours collectif en justice au nom de Martin et Cindy Tanner. Je ne sais pas si c'est important, mais le procès verbal mentionne aussi un certain Josh Berman. Il pourra peut-être vous donner des éclaircissements. Ce ne sera pas long, Monsieur Berman. Nous aimerions juste vous poser quelques questions relatives à notre affaire. Que puis-je faire pour vous ? Je suis tenu à la discrétion concernant les affaires d'American Motors. À moins que vous n'ayez connaissance d'un incident particulier impliquant ma société, je ne peux pas divulguer d'informations générales. Pardonnez-moi, je n'en sais rien. Les Tanner ont déposé un recours collectif en justice contre American Motors pour défaut de fabrication des ceintures de nos deux modèles sport. Le recours émanait des Tanner avec l'appui de 53 autres personnes. Le juge a gardé ici plaignant avec qui nous avons conclu un accord. Nous avons fini par négocier séparément avec chaque famille. Les Tanner ont bien résisté, mais au final, ce sont eux qui ont reçu la plus petite somme, $80 000. Au départ, $5 millions de dommages et intérêts.
Il pensait que c'était un défaut de fabrication de la ceinture qui avait causé la mort de leur fils Jamie. Mais les conclusions de notre expert ont montré que la ceinture de Jamie n'était sans doute pas correctement attachée lors de l'accident. J'étais contre, mais le conseil a pensé qu'un procès nous attirerait une mauvaise publicité. Finalement, le plus économique était de les dédommager et de clore le dossier. Je ne sais pas. Monsieur Tanner nous a appelé un jour en demandant que l'affaire soit expédiée au plus vite. Il disait vouloir faire quelque chose de plus constructif au nom de Jamie. Merci pour votre aide. Si nous avons besoin d'autre chose, nous vous appellerons. Apparemment, les Tanner ont eu du mal à accepter la mort de leur fils. Ou alors, ils avaient juste besoin d'argent. Heureuse de vous voir. Par où ? Bonjour. J'ai terminé l'évaluation psychiatrique. Si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez passer. Entrez, je vous en prie. J'espère que mes conclusions vous aideront. Martin Tanner a du mal à contenir ses émotions. Il a perdu son fils, son couple bat de l'aile, son père le battait. C'est beaucoup pour un seul homme. Pourriez-vous être plus précis ? Sa colère est engendrée par un fort sentiment de culpabilité, suite à l'accident qui a tué son fils de 3 ans. Monsieur Tanner m'a dit que la ceinture de sécurité était défectueuse. Il cherchait plus à me convaincre qu'il n'était pas responsable de l'accident plutôt que de faire son travail de deuil. C'est normal d'être en deuil, mais les Tanner ont cru pouvoir éviter cela en créant un autre Jamie. Comment sont-ils arrivés à la solution du clonage ? Il semble que l'idée ait germé lors d'une discussion avec le docteur Bliss. C'est lui qui s'est occupé de Jamie après l'accident. C'est tout ce que je peux vous dire. Docteur, auriez-vous le temps de répondre à quelques questions avant la tournée des patients ? J'ai quelques minutes, oui. En effet, dès que je l'ai examiné, j'ai compris que sa vie ne tenait qu'à un fil. Forte hémorragie interne, fracture multiple, traumatisme crânien, ça fait beaucoup pour un enfant de 3 ans. Pessimiste. Son cœur avait reçu un choc et nécessitait des drainages multiples. Il avait en outre une perforation du myocarde, plusieurs lacérations du foie et une double rupture de la colonne vertébrale. Ses blessures immédiates étaient déjà potentiellement mortelles et il lui aurait fallu plusieurs transplantations d'organes pour survivre. Nous l'avons inscrit en urgence pour une greffe de cœur et de foie. J'avais peu d'espoir. Mais les Tanner m'ont demandé de faire tout ce qui était en mon pouvoir, aussi coûteux ou difficile que ce soit. Martin m'a expliqué qu'il s'était ruiné pour avoir un enfant in vitro. Et maintenant, il ne reculait devant aucune dépense pour sauver Jamie. Je le plaignais. Je les ai dirigés vers William Ramos, un chercheur en transplantation que j'avais rencontré à un séminaire. Mais Jamie est mort avant que l'on ait trouvé des organes compatibles. Oui, ils m'ont demandé de prélever des échantillons cellulaires quand Jamie était en soins intensifs. J'ai accepté et j'ai envoyé le tout au docteur Ramos. Nous n'avons plus de questions. Merci de nous avoir consacré du temps. Les Tanner étaient bien plus impliqués qu'ils ne l'ont dit dans les recherches de Ramos. Allons voir Wade. Le clonage,
Quand j'étais jeune, le meilleur des mondes, c'était de la science-fiction. Ramos a dû faire croire aux Tanneurs que le clonage était une solution envisageable. Faire revivre leur fils. Les Tanneurs ont dû penser que leur prière était exaucée. Ramos a vidé leur compte en banque sans se faire prier, tout en levant des fonds d'investisseurs tiers. Mais nous ne savons pas s'il aurait vraiment été en mesure de produire un clone viable. Ce bon docteur était peut-être un charlatan. Un éminent scientifique engagerait-il sa réputation sur un projet dont l'issue est vraiment incertaine? Si Ramos avait dit que l'opération de clonage avait échoué, on l'aurait cru. Il aurait empoché l'argent et attendu l'arrivée des prochains parents et pleuré. Alors notre théorie est que Martin Tanner a tué Ramos parce que Ramos avait essayé de les entuber? Les Tanner ont dépensé au moins 100 000 dollars en pure perte. Je crois qu'on tient notre mobile. C'est le jury qu'il faut convaincre, pas moi. La cour va maintenant entendre l'affaire Ministère public contre Martin Tanner. L'accusation est-elle prête à présenter son exposé initial? L'accusation compte prouver que M. Martin Tanner est coupable de meurtre. M. Tanner était furieux que le Dr Ramos soit revenu sur sa parole après avoir promis de cloner son fils décédé. Nous démontrerons que M. Tanner a suivi le Dr Ramos jusqu'au domicile de Linda Keller, puis l'a abattu d'une balle dans la tête. Outre les preuves matérielles, l'accusation montrera que M. Tanner avait non seulement menacé la victime avant le meurtre, mais qu'il a également tenté d'intimider une tierce personne pour couvrir son crime. L'accusation prouvera sans laisser de doute que M. Martin Tanner est responsable du meurtre de l'éminent scientifique. Vous pouvez appeler votre premier témoin. Votre Honneur, l'accusation appelle Brenda Lyons à la barre. Dans votre intérêt, quittez la ville tout de suite. C'est Martin Tanner. Il m'a laissé ça le lendemain du meurtre du docteur Ramos. L'accusation souhaite que M. Martin Tanner prononce la phrase « Dans votre intérêt, quittez la ville tout de suite ». Objection, votre honneur. C'est une violation du 5e amendement qui protège mon client contre l'auto-inculpation. Que répond l'accusation ? Je me range à l'avis de l'accusation. Que l'accusé s'exécute. Dans votre intérêt, quittez la ville tout de suite. Vous voyez, c'est bien sa voix. Je me suis sentie menacée. J'ai fait mes bagages en 4e vitesse. Il devait penser que j'avais vu quelque chose. Ma fenêtre donne sur le lieu où Ramos a été tué. Merci.
Pas d'autres questions. Maître Duncan, le témoin est à vous. Votre témoignage s'inscrit-il dans le cadre d'une négociation de peine? Oui, le procureur m'a en effet promis une réduction de peine. Pourriez-vous citer les termes de votre accord devant le jury? J'ai accepté une peine pour tromperie criminelle. Ça ne me dérange pas d'en parler. J'ai versé du diazanon dans un silo contenant du maïs génétiquement modifié pour combattre le bionazisme. Avez-vous participé aux expériences du Dr Ramos uniquement pour faire échouer le projet de clonage du laboratoire Avery? Oui, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour faire capoter l'expérience. Et vous avez donc tué le Dr Ramos? Objection. Argumentatif. Objection retenue. Continuez, maître. La mort du Dr Ramos aurait mis un terme au projet, n'est-ce pas? Je n'ai jamais recours à la violence. Je n'ai pas tué le Dr Ramos. Si une femme voulait devenir mère porteuse pour une expérience de clonage, l'avertiriez-vous des risques? Je lui dirais que le taux d'échec chez l'animal est de plus de 90% et que les complications peuvent provoquer la mort du bébé, mais aussi celle de la mère. Alors admettez que vous avez tiré des conclusions. Objection. Question argumentative. La défense harcèle le témoin. Objection retenue. Continuez, maître. Est-il possible que M. Tanner vous ait laissé ce message pour vous avertir? Oui, mais... Je n'ai rien à ajouter. Votre Honneur, l'accusation appelle Denis Morales. Martin travaille pour moi chez Arwest Delivery. Ouais, pendant quelques mois. Je me suis dit que c'était à cause de la mort de son fils. Avant de partir, Martin m'a dit qu'il allait toucher beaucoup d'argent suite à un procès et que Cindy et lui seraient à l'abri du besoin. Martin a dit qu'il avait besoin d'argent sans rentrer dans les détails. Il a juste dit qu'il avait tout donné à un docteur. Alors, j'ai pensé que c'était pour les frais d'hospitalisation de Jamie. Moi, j'étais heureux de le retrouver, c'est mon meilleur employé. ~20h pile. Je m'en souviens parce que le match des Yankees venait juste de commencer à la radio. Ouais, Martin avait l'air distrait. D'habitude, on parle toujours de baseball. Mais quand je lui ai dit que le match était commencé, il n'a même pas réagi. Il était dans la lune, ça lui ressemblait pas. Merci, pas d'autres questions. Maître Duncan? Vous dites donc que M. Tanner avait un comportement étrange parce qu'il n'a fait aucun commentaire sur le match diffusé à la radio? Ouais, c'était pas son genre de star. Seriez-vous donc assez obtus pour... Objection. Argumentatif. Objection retenue. Veuillez reformuler votre question. Une personne venant de perdre son fils n'est-elle pas susceptible d'avoir un comportement inhabituel? Eh bien sûr, c'est possible. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Votre Honneur, l'accusation appelle à la barre le docteur Richard Blythe. J'ai soigné son fils, Jamie Tanner, à la suite d'un terrible accident de voiture. Objection. L'accusation tient pour acquis un fait non prouvé. Objection retenue. De très graves lésions au cœur, au foie et à la colonne vertébrale. Jamie était robuste. Il a survécu 2 semaines. En fait, c'est moi qui ai dirigé Tanner vers le Dr Ramos lorsque nous cherchions une solution pour sauver Jamie. J'ai cru qu'il pourrait profiter des techniques de génération organique sur lesquelles travaillait le Dr Ramos, mais c'était déjà trop tard pour Jamie.
J'ai eu une conversation étrange avec les Tanneurs. Ramos leur aurait affirmé pouvoir cloner leur fils. Je leur ai dit que c'était un miroir aux alouettes et leur ai donné le nom de notre conseiller psychologique. Oui, ils m'ont demandé d'effectuer des prélèvements cellulaires sur Jamie. Je les ai expédiés au laboratoire Avery Labs, à l'attention du docteur William Ramos. J'y étais opposé, mais eux ne lâchaient pas l'idée. Merci, pas d'autres questions. Maître Duncan, le témoin est à vous. Pas de questions pour l'instant. Vous pouvez vous retirer. L'accusation appelle Shirley Cho à la barre. Oui, Monsieur Kent m'a renvoyé une semaine avant le meurtre du docteur Ramos. J'ai été tenue responsable d'un problème de comptabilité, dû en réalité aux erreurs de gestion de Kent et Ramos. Je savais qu'il voulait que le docteur Ramos lui rende de l'argent, $80,000, mais j'ignore sincèrement à quoi servait cette somme. Lors de mon dernier jour de travail, il est entré furieux, exigeant de voir le docteur Ramos. Comme d'habitude, le docteur m'avait demandé de dire qu'il n'était pas là. Non, un si gros chèque, je m'en serais souvenu. Merci, pas d'autres questions. Maître Duncan ? Mademoiselle Cho, est-il possible qu'un chèque ait été émis en votre absence ? Bien sûr, ou du liquide. Il y a peut-être même des comptes que j'ignorais. Votre Honneur, la Défense souhaite apporter au dossier un chèque bancaire qui vient d'être découvert. C'est un chèque de $80,000 à l'ordre de Monsieur Tanner, débité sur un compte au nom du docteur Ramos et daté d'un jour avant sa mort. Votre Honneur, l'accusation s'inscrit en faux contre cette violation manifeste de la règle de communication des preuves. Pourquoi n'est-il présenté que maintenant ? Le docteur Ramos a effectué la transaction en ligne. Il a expressément ordonné à sa banque d'adresser ce chèque au domicile de Monsieur Tanner. Par souci de sécurité, la banque a demandé confirmation au docteur Ramos et ne l'a bien sûr pas reçu. Le chèque est donc resté en suspens jusqu'à ce qu'un comptable le retrouve par hasard et contacte mon client, dont le nom figurait sur l'enveloppe. Ceci est absurde, votre honneur. Malgré ma réticence à accepter une preuve inconnue des deux parties, je dois la recevoir par souci d'impartialité. Je laisse à Mademoiselle Cho le soin d'authentifier le chèque. Mademoiselle Cho, pouvez-vous vérifier l'authenticité de ce chèque ? Oui, il provient d'un compte privé que le docteur Ramos utilisait à des fins professionnelles. Je lui avais demandé de le liquider, et c'est bien sa signature. Je demanderai à l'huissier d'ajouter ces documents aux pièces à conviction. Je n'ai rien à ajouter. L'accusation appelle Paul Kim à la barre. Oui. Sur la photographie comme sur la voiture, nous avons trouvé des empreintes claires, concordant en tout point avec celles de l'accusé. Oui, j'ai pu en conclure que le mot avait été écrit par la même personne que celle qui a rédigé le chèque, lequel est signé par l'accusé, Martin Tanner. Merci, pas d'autres questions. Maître Duncan, le témoin est à vous. Monsieur Kim, les empreintes de mon client sur la voiture de la victime ne... Objection, pure spéculation. Objection retenue. Est-il possible que mon client ait pu laisser ses empreintes lors d'un déjeuner avec la victime il y a plusieurs mois ? Oui, c'est possible. Merci, je n'ai pas d'autres questions.
L'accusation appelle l'inspecteur Lenny Briscoe à la barre. Rien qui concerne l'affaire en cours. Dans la chambre d'hôtel de la victime, un chèque de 20 000 $ signé par Martin Tanner. D'après lui, il s'agissait d'une partie de l'argent investi dans le laboratoire Avery. Mademoiselle Lyons nous l'a donné lors de son interrogatoire. Elle a dit que c'était Martin Tanner. Merci. Pas d'autres questions. Maître Duncan ? Pas de questions pour l'instant. Vous pouvez vous retirer. L'accusation appelle à la barre Kathleen McDonnell. La cause du décès est une blessure par balle au crâne. Celui-ci présentait de petites contusions circulaires, infligées avant la mort, qui ont pu être causées par un canon de pistolet. La trajectoire de la balle suggère que la victime avait la tête tournée légèrement vers le tireur. Nous avons trouvé à l'intérieur du crâne un éclat de grande taille, dont les stries et rayures identifient l'arme du crime comme un revolver de petit calibre. Pas d'autres questions, Votre Honneur. Maître Duncan ? Pas de questions pour l'instant. Vous pouvez vous retirer. Votre Honneur, l'accusation appelle le docteur Anne Galloway. Il semblait se tenir responsable de la mort de son fils. En revanche, je n'ai rien observé qui me permette d'affirmer sa culpabilité. Pas d'autres questions, Votre Honneur. Maître Duncan, le témoin est à vous. Pas de questions pour l'instant. Vous pouvez vous retirer. L'accusation en a terminé, Votre Honneur. Votre Honneur, en l'absence de tout mobile et de toute preuve concrète impliquant ma cliente dans le meurtre, je demande un non-lieu. Désolé, Maître Duncan. L'audience est suspendue pour la journée. Nous reprendrons avec l'exposé de la défense. Si Ramos comptait rembourser Tanner, notre mobile ne tient plus. Sauf si Tanner n'en savait rien. Martin Tanner a très bien pu agir en pensant que Ramos l'avait arnaqué. Comment pouvons-nous prouver que Tanner ne le savait pas? Il va soutenir le contraire devant le jury. Si ce n'était pas pour l'argent, alors pourquoi? Tanner n'arrivait pas à accepter la mort de son fils. Au lieu de faire son deuil, il essaie de le ramener à la vie. Ramos lui enlève ses espoirs et Tanner décharge sur le docteur toute sa douleur refoulée. Il faut trouver pourquoi Ramos a donné espoir à Tanner pour ensuite le décevoir. Essayez de dénicher tout ce que vous pouvez sur le projet de clonage de Ramos. Ici Wade, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez étoffer votre dossier, essayez d'en savoir plus sur ce qui se passe au labo. Appelez Rollins de la surveillance, il vous aidera. Salut, ici Mark Rollins. Je savais bien qu'on trouverait quelque chose en continuant à surveiller Quinn. J'ai consigné tout ça dans mon rapport. Passez à mon bureau et je vous ferai un topo. Thank you.
Vous avez bien fait de passer. Par où on commence? Ces derniers jours, le docteur Diana Quinn a rencontré deux fois le chef des Parangons, Arias Pappas. À chaque fois, elle a passé quelques heures au QG de Pappas avant de retourner au laboratoire Avery. Elle a l'air d'avoir un faible pour les types du genre savant mégalo. Si nous sommes ici, Dr. Quinn, c'est que nous avons des doutes. C'est fou ce que vos tête-à-tête avec le rival de votre patron ont changé notre vision des choses. Mes relations avec Arias Pappas n'ont absolument rien à voir avec votre enquête. Depuis 2 ans, je rencontre Arias au hasard des divers séminaires sur le génome humain. Il avait entendu dire que j'étais entrée au laboratoire Avery et il m'a contactée. Il voulait absolument que je collabore à son projet de clonage. Contrairement au docteur Ramos, j'ai foi en ce que fait Arias. Les Parangons visent à éradiquer les maladies génétiques en modifiant l'ADN humain dès la conception. En éliminant avant la naissance tout défaut congénital, toute maladie, voire toute prédisposition aux agents pathogènes. C'est un bond de géant pour la médecine. Je n'allais pas passer à côté de ça pour avoir signé chez Donald Kent. Mon but est d'éradiquer la maladie. Bricoler le génome pour avoir des yeux plus bleus ou de plus gros muscles, très peu pour moi. Je pensais que je pourrais amener les Parangons à aider les hommes, au lieu de chercher à les perfectionner. Je ne sais pas. Il n'a jamais rien couché sur papier. Bill aura emporté ses recherches dans sa tombe. Je sais qu'il travaillait à un projet de clonage humain et qu'il cherchait de nouveaux sujets de test. Dans ces derniers jours, Bill m'a seulement confié qu'il avait arrêté de travailler avec les Tanner. Mais il ne m'a pas dit pourquoi. J'espère que c'est la dernière fois que nous vous interrogerons, Dr. Quinn. Je n'aimerais pas découvrir d'autres surprises sur vous. Non seulement Tanner a tué Ramos, mais il a aussi anéanti le programme de clonage. Pourtant, je continue à penser que Diana nous cache quelque chose. Oui, c'est... J'ai lu votre brochure d'information, mais j'ai encore du mal à comprendre ce que vendent les Parangons, Monsieur Pappas. Mais nous ne vendons rien, Mademoiselle Sauzerelin. Nous offrons simplement un nouveau futur. Un futur sans maladie ni malformation. Je serais très heureux de pouvoir vous faire découvrir nos idéaux. Le Dr. Quinn connaissait les Parangons. Elle a proposé un partenariat dans notre intérêt mutuel. Non, malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à une réelle collaboration. Le docteur Ramos a refusé de mettre en commun nos résultats. Il aurait eu accès à nos recherches, notre équipement, nos scientifiques. Il a préféré l'appât du gain. Ramos était un génie, mais il ne voyait pas assez loin. Nous, en revanche, nous allons ouvrir la voie à une nouvelle génération d'êtres humains supérieurs. Blond aux yeux bleus, j'imagine. En une génération, l'homme doublera son espérance de vie et sera débarrassé des maladies. Les membres des Paragones sont habitués à être traînés dans la boue par la société bien-pensante. Mais ni l'opprobre, ni les lois ne nous arrêteront. Chacun est libre de choisir son patrimoine génétique. Oui, ils nous ont contactés au sujet de Jamie. Nous commencerons les tests dès que nous aurons les échantillons cellulaires de leur fils. Je ne savais pas que c'était le cas. Ils n'avaient peut-être pas réuni assez de fonds. C'est le Dr. Quinn qui a proposé à Martin et Cindy de nous contacter. Ce sont peut-être eux qui ont laissé tomber Ramos en voyant que nous pouvions leur offrir mieux. Je doute que les Tanner nous le disent. Je ne sais pas ce qu'il leur avait proposé, mais ils auraient eu une surprise.
Affaire ministère public contre Martin Tanner. La cour va maintenant entendre la défense. Martin Tanner, plus que quiconque, a appris avec horreur la mort de William Ramos. Les Tanner l'avaient rencontré sur les conseils d'un médecin, après le terrible accident qui emporta leur fils. L'accusation voudrait vous faire croire que mon client, père éploré, aurait tué le seul homme qui lui a donné l'espoir de retrouver un jour son fils. J'ai l'intention de démontrer que l'argumentation de l'accusation ne repose sur aucun fait avéré, qu'elle ne possède aucune preuve directe, que ses témoins ne sont pas dignes de confiance. Votre Honneur, la défense appelle Donald Kent à la barre. Monsieur Kent, vous êtes le fondateur et directeur général du laboratoire Avery. Étiez-vous satisfait du travail du docteur Ramos? À vrai dire, il ne m'a pas présenté grand-chose. Ce serait exagéré de dire que j'étais satisfait. Ramos avait obtenu un budget substantiel, deux fois supérieur au budget initial, mais sans pour autant produire de résultats. C'était un piètre gestionnaire. Et vous étiez furieux de découvrir... Objection, question inductive. Objection retenue. Veuillez reformuler votre question. Qu'avez-vous ressenti en découvrant que Ramos levait des fonds d'investisseurs tiers? J'étais fou de rage. C'était totalement stupide de sa part. Si le projet de clonage humain réussit, quelle somme remportera le laboratoire Avery Labs? Difficile à dire. Des millions? Des milliards? Maintenant que Ramos est écarté, vous recevrez 100% de toutes les découvertes du laboratoire Avery? Ah oui, mais ça n'était pas... Merci, je n'ai pas d'autres questions. Oh, catastrophique. Le docteur Quinn fait de son mieux pour que tout ne s'écroule pas. Parti avec lui. Il y a bien quelques traces de ses progrès en matière de régénération cellulaire, mais pour tout le reste, il travaillait dans le plus grand secret. Si je récupère la moitié de mon investissement, je m'estimerai heureux. Nous n'étions pas d'accord sur son contrat d'embauche. C'est lui qui a cédé. Nous avons conclu un accord identique à peu de choses près à l'original. Il avait l'air vraiment fatigué de lutter. Seul Ramos était capable de mener ses recherches. Si le laboratoire survit, ce sera déjà bien. Merci. Pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer. Votre Honneur, la défense appelle à la barre Célia Ramos. Madame Ramos, quelles étaient vos relations avec votre mari? Nous avons connu des jours meilleurs. Difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui préfère cartographier le génome humain plutôt que manger avec vous. Quand avez-vous affronté votre mari au sujet de sa liaison avec le docteur Quinn? Objection. Tiens pour acquis un fait non prouvé. Retenu. Madame Ramos, veuillez nous dire comment vous avez découvert que votre mari vous trompait. J'avais un peu forcé sur le lead pool lors de la soirée de Noël. Bill faisait ouvertement du gringue au docteur Quinn. Je lui ai dit ses quatre vérités devant ses collaborateurs. Ensuite, il m'a tout avoué. Pourquoi n'avez-vous pas divorcé? C'est ce que je voulais, mais pas Bill. J'ai quand même engagé un avocat. Mais quand il m'a dit que nous étions ruinés, je n'avais plus le cœur à ça. Bill n'avait plus que son compte courant. Avez-vous été surprise de découvrir cela? Bien sûr. Je sais que notre argent n'a pas disparu, mais je ne l'ai pas encore retrouvé. Dans son domaine, William était influent et gagnait bien sa vie. Nous vivions confortablement, sans plus. Nous n'avons aucune raison d'être ruinés. Étiez-vous assez jalouse pour... Objection. Question argumentative. La défense harcèle le témoin. Objection retenue. Continuez, maître. En vouliez-vous à votre mari? J'étais bouleversée. Mais il n'avait pas le droit de me court-circuiter. Après 25 ans, je ne pouvais pas vivre dans la pauvreté. Merci. Le témoin est à vous. Oui. Il voulait attendre. J'imagine qu'il espérait que nous pourrions tourner la page. Difficile de tirer un trait sur 25 ans de sa vie, mais j'étais prête à essayer. J'aimais mon mari, mais je ne suis pas stupide. J'aurais pris une décision après les conclusions de mon avocat.
Non, je ne sais même pas si je pourrais conserver la maison. Une déclaration de faillite. Rien d'autre. Merci. Pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer. Votre Honneur, la défense appelle à la barre le docteur Diana Quinn. Quel poste occupez-vous au laboratoire Avril Labs? Je suis directrice des recherches en régénération in vitro. Le docteur Ramos était-il votre amant? Nous étions tous deux amoureux de notre travail. Si nous nous sommes rapprochés, c'était involontaire. Mais lorsqu'il vous a appris qu'il ne divorce... Objection. Tiens pour acquis un fait non prouvé. Objection retenue. Étiez-vous contrarié qu'il ne veuille pas divorcer? Non. Je crois que nous avions tous deux une vie suffisamment compliquée. Connaissez-vous Martin et Cindy Tanner? Oui, je savais qu'ils voulaient faire cloner leur fils. Bill leur avait donné beaucoup d'espoir. Vous leur avez parlé quand le docteur Ramos a décidé de ne pas les aider? Oui, je les ai appelés pour leur proposer une alternative. Et vous leur avez alors parlé? Objection, Maître Duncan oriente le témoin. Objection retenue. Veuillez reformuler votre question. Qu'avez-vous dit aux Tanner? Que les parangons effectuaient, eux aussi, des recherches poussées sur le clonage humain. Et Martin a décidé de faire confiance aux parangons? Oui. Cindy et lui étaient très reconnaissants. Je n'ai rien à ajouter. Question d'éthique. Les parangons conçoivent le clonage comme une évolution vers un monde sans maladie. Pour Bill, c'était de l'eugénisme pur et simple. Il a pris peur. Non. Oui, quand ils ont compris que le docteur Ramos cherchait d'autres sujets de test, ils ont demandé à être remboursés. Oui, je les ai appelés pour leur dire que les parangons attendaient les échantillons cellulaires de Jamie. J'ai parlé à Cindy, mais j'entendais Martin hurler des insanités derrière. Elle s'est excusée en disant qu'il avait des soucis professionnels. Merci, pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer. Votre Honneur, la défense appelle Cindy Tanner à la barre. Où étiez-vous la nuit du meurtre? Chez moi. Je regardais la télé avec mon mari, qui est parti travailler à 19h30. Votre mari était-il là quand vous avez parlé au docteur Quinn, plus tôt dans la journée? Oui, nous nous disputions. Ça ne se passait pas bien du tout. Le docteur Ramos vous a-t-il déjà mis en colère? Déçu, peut-être. Mis en colère? Non. Le docteur Ramos avait promis de nous ramener Jamie. Quand il a rejeté notre candidature au projet... J'étais bouleversée. Mais il avait promis de nous rembourser. Pourquoi le docteur Ramos a-t-il changé d'avis à votre égard? Il nous répétait tout le temps que le clone ne serait pas Jamie, mais un autre enfant, qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau, comme un frère jumeau, en quelque sorte. Il a fini par décider que ce serait moins dangereux pour nous d'avoir un autre enfant sans son intervention. Comme vous le savez... Peu après, Diana Quinn nous a parlé des parangons. Alors nous avons repris espoir. C'est vous qui avez écrit ce mot au docteur Ramos? Rendez-moi ce que vous m'avez pris ou alors... C'était mon idée. Je n'ai pas écrit ce mot, mais j'ai poussé Martin à le faire. Cela m'énervait que le docteur Ramos ne réponde pas au téléphone. Qu'entendiez-vous par « ou alors » ? Ou alors, je prenais un avocat. Je n'ai rien à ajouter. Je ne m'en souviens plus. Un problème de facture, je crois. Il a regardé la télé dans la chambre. Moi, j'étais dans le salon. Il valait mieux qu'on s'isole un peu. Nous comptions le poursuivre, mais tout s'est enchaîné très vite. La mort de Ramos, l'arrestation de Martin. J'ai pris un congé professionnel. Ce n'est pas facile.
Nous n'avons jamais été disposés à attendre. Nous voulions revoir notre fils. C'est ce qui nous importait le plus. Merci. Pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer. Votre honneur, la défense appelle à la barre Martin Tanner. Parlez-nous de vos relations avec William Ramos. J'ai rencontré le docteur Ramos pendant l'hospitalisation de mon fils. Nous espérions que ses recherches pourraient aider Jamie. Est-ce que ça a été le cas? C'était trop tard. Jamie est mort. Il nous a alors parlé de ses recherches sur le clonage. Il voulait savoir si nous étions intéressés. C'était le cas. Le docteur Ramos a-t-il cloné votre fils, Jamie? Non. Il a fini par changer d'avis, en nous expliquant que le clonage devait être réservé aux couples stériles. J'imagine que vous en avez discuté avec... Objection, question inductive. Retenu. Vous en avez discuté avec lui? Nous n'étions pas du même avis, mais nous avons atteint un accord. Pensiez-vous que le docteur Ramos voulait vous extorquer de l'argent? Nous ne cherchions pas à investir en bourse. Tout ce que nous voulions, c'était retrouver Jamie. Quand le docteur Ramos nous a enlevé cet espoir, nous étions sûrs qu'il nous rembourserait et nous avons cherché une alternative. Vous n'aviez aucune raison de vous... Objection. Question inductive. Objection retenue. Veuillez reformuler votre question. Aviez-vous une quelconque raison de souhaiter sa mort? Absolument pas. Pour nous, Ramos était un héros. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Il fallait lui faire comprendre que nous voulions aller de l'avant. La femme disait qu'il fallait attirer son attention. On s'est sans doute emporté. Ça arrive à tout le monde de perdre son sang-froid pour une grosse somme. Ça devait être il y a 2 mois. Le docteur Ramos est venu me rendre visite au garage. Il passait prendre un chèque. Je lui ai fait un contrôle des freins gratuit. Il s'est plaint d'une migraine terrible et son nez s'est mis à saigner. Il m'a demandé une aspirine que je lui ai apportée à sa voiture. Merci. Pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer. La défense en a terminé, votre honneur. L'audience est suspendue jusqu'à demain. Nous reprendrons avec la réfutation de l'accusation. Il a quand même un sacré culot, ce Tanner. Je suis innocent, Ramos était mon héros. Il sait dire la sympathie du jury, c'est plutôt bien joué. Ramos a dû passer au crible des centaines de dossiers avant de sélectionner les Tanner. Et juste avant le début de l'expérience, il annule tout en disant qu'il a d'autres couples mieux placés. En laissant tomber les Tanner, Ramos risquait de compromettre tout le projet. Il risquait aussi de perdre un boulot confortable au labo, d'affronter la meute d'avocats de Kent, et bien sûr de reporter l'expérience au calende grec. Il devait avoir une sacrée bonne raison. Une raison médicale ou personnelle? Peut-être les deux. Si vous découvrez comment tout a commencé entre Ramos et Tanner, nous pourrons peut-être en déduire la suite. Blythe, le médecin traitant de leur fils. C'est lui qui a lancé la machine en leur parlant de Ramos. Allez lui offrir un café. Docteur Blythe, si ça ne vous dérange pas, nous avons encore quelques questions. C'est une collègue, le docteur Rita Miller, qui m'a parlé des recherches révolutionnaires du docteur Ramos. Comme je vous l'ai dit, j'essayais de trouver tout ce qui pourrait aider Jamie. Cloner un être humain, ce n'est pas aussi facile que faire une soupe. Il ne suffit pas d'ajouter des ingrédients et de touiller. Il peut y avoir des dizaines de problèmes. L'échantillon cellulaire peut s'altérer. Le fœtus peut développer des malformations imprévisibles. Le problème était peut-être d'ordre génétique. À moins qu'il n'ait été aidé. Je sais que le docteur Miller est experte en maladies génétiques. Elle était peut-être consultante dans le projet de clonage. Merci pour votre aide. Ramos a peut-être reculé parce qu'il a dénaturé les échantillons cellulaires de Jamie et que les Tanner s'en sont aperçus.
Ici le Dr Byers de l'Institut Sloan Kettering. Comme vous le savez sans doute, je suis membre du comité d'éthique médicale. Les parangons ont déjà attiré notre attention à plusieurs reprises. Nous avions essayé de les contacter, mais ils nous ont toujours ignorés. Leurs recherches sont dangereuses et doivent être arrêtées. Nous sommes du bureau du procureur. Nous aimerions discuter avec vous dans le cadre du meurtre de William Ramos. Bien sûr. Lui et moi avons co-signé une étude de génétique. En effet, je dirige un laboratoire de tests génétiques et il m'a appelé à l'improviste pour une identification de marqueur, le genre de test qui permet de déterminer si un embryon est en bonne santé. À première vue, non. Mais nous avons fini par déceler une cassure chromosomique que nous avons identifiée. Il s'agit de l'anémie de Fanconi, une maladie génétique horrible, douloureuse et défigurante, indétectable durant la petite enfance. Les malades atteignent rarement l'âge adulte. Je ne lui ai pas demandé et il ne me l'a pas dit. Quand le docteur Ramos est passé, nous avons parlé des résultats et je lui ai dit que les échantillons étaient au laboratoire. Il a dû aller les récupérer. Nous consignons toutes les allées venues des échantillons, depuis leur entrée au labo jusqu'à leur sortie. Allez consulter le registre si vous voulez. Formidable. Je vous remercie de nous avoir répondu. Une horrible maladie génétique. Ça me paraît une bonne raison d'annuler le projet. Votre Honneur, je réitère ma demande de non-lieu. Dois-je feindre la surprise ? L'accusation n'a encore présenté aucune preuve matérielle hormis un enregistrement contestable. Le mobile qu'ils imputent à mon client change d'heure en heure. Quelle est la suite, Mademoiselle Sauzerilyn ? Mon client n'aimait peut-être pas l'eau de Cologne du Dr Ramos ? Nous avons la preuve que le Dr Ramos avait décelé chez Jamie une maladie génétique qui lui aurait été fatale avant qu'il n'atteigne 15 ans. Il a refusé de cloner un enfant ainsi condamné, et cette découverte a ôté à Martin Tanner tout espoir de ramener son fils à la vie. C'est totalement faux. Nous coopérons avec des chercheurs capables d'éradiquer génétiquement toute maladie ou malformation avant la naissance. Nous avions suggéré cette possibilité au Tanner lorsque le Dr Ramos les a exclus de son programme. Les Tanner étaient enthousiasmés par ces nouvelles possibilités. Les Tanner vous ont-ils contacté avant ou après le meurtre du Dr Ramos ? J'ai rencontré les époux Tanner avant sa mort. Ils se sont tout de suite engagés dans notre programme. Vous avez déjà commencé ? Non. Nous devons corriger le défaut génétique à l'origine de l'AF avant de lancer l'expérience. Et pour cela, il nous faut les échantillons de Jamie. Les Tanner nous ont assuré que le laboratoire Avery Labs allait les envoyer. Vous voyez, Votre Honneur, Martin Tanner avait une alternative viable pour cloner Jamie. L'accusation n'a pas de mobile. Le mobile n'est pas un élément du crime. Et il reste une journée de procès à l'accusation. Je rejette votre motion. Belle esquive, Mademoiselle Sauzerilyn. Nous nous reverrons devant le jury. Les parangons se sont engagés à ramener le gamin à la vie. Ils peuvent peut-être aussi ressusciter notre affaire. Je suis sûre que papa se veut saigner à blanc les finances des Tanner. En l'absence de preuves matérielles, le jury va vouloir un mobile. On peut toujours essayer de réinclure les bottes dans le dossier. Et si nous retournions là où les bottes ont été découvertes ? Tanner y a peut-être laissé d'autres indices. Nous aimerions vous poser encore quelques questions. Ah, écoutez, je suis un ami de Martin, ça me gêne de devoir parler de lui. Ben, comme je vous l'ai déjà dit, il est arrivé à l'heure au travail. Il fallait qu'il répare des transistors cassés et ça lui a bien pris toute la nuit. Pas trop. L'autre jour, elle est venue me passer un savon pour avoir laissé les flics fouiller le casier de Martin. Un truc de fou.
Elle a pris la boîte à outils de son mari et m'a posé des questions sur son travail. Des infos sur une demande faite à Hudson Metal Works pour récupérer nos chutes de métal dans la cour. Ils sont passés le lendemain. Je crois que ça suffira. Merci d'avoir bien voulu nous répondre. Je me demande pourquoi Cindy s'intéressait à un tas de métal rouillé. Bonjour, ici le responsable des relations publiques des Parangons. J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur notre organisation. Si vous pensez qu'un de nos membres est lié de près ou de loin au meurtre, vous perdez votre temps. Nous autres Parangons considérons la vie comme le don ultime. Jamais nous ne ferions intentionnellement de mal à quiconque. Je vous conseille de suivre une autre piste. Nous sommes du bureau du procureur. Nous aimerions jeter un coup d'œil aux locaux. Si c'est à cause du problème avec le fisc, mademoiselle, je m'en suis déjà occupé. Cela n'a rien à voir avec vous ni avec votre affaire, monsieur Basquet. Je récupère leur ferraille une fois par mois et je la fais fondre. C'est illégal ? Il y a 2-3 semaines de ça. Dites, vous êtes là pourquoi au juste ? Nous voudrions savoir où vous avez déchargé la dernière cargaison d'Airways. Il doit y avoir dans les 200 tonnes de ferraille ici. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner une vague direction. Ça va pas me retomber sur le coin de la gueule au moins. On vous écoute. J'ai récupéré une épave de camion. Il m'a fallu 2 trajets pour te ramener. En temps normal, j'aurais déjà fondu tout ça. Mais la fonderie s'est déglinguée et j'ai 2 semaines de retard. Le camion d'Airways est le prochain sur la liste. Il doit être pas loin du fourneau. Merci, monsieur Lasky. Voilà qui pourra peut-être nous aider. Ça va peut-être nous aider à comprendre ce qui s'est passé ici. Fermé à clé. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Fermé à clé. Ça ne marchera pas. Eh non. Si ça pourrait nous aider. C'est ça. Pas étonnant que Cindy se soit intéressée à cette ferraille.
Heureux de vous voir tous les deux. De quel résultat voulez-vous qu'on parle? Cette arme est un 38 spécial. Les empreintes digitales qui s'y trouvent correspondent à celles de Martin Tanner. Le canon du revolver correspond parfaitement aux éclats de balles trouvés dans le corps de la victime. Aucun doute, c'est avec cette arme que le docteur Ramos a été abattu. Ici Paul. La cour va maintenant entendre la réfutation de l'accusation. L'accusation appelle Paul Kim à la barre. Oui, nous avons établi une concordance indiscutable entre le canon de l'arme et les éclats de balles trouvés dans le corps de la victime. C'est bien l'arme du crime. Nous avons relevé deux jeux d'empreintes, les deux concordaient en tout point avec celle de l'accusé. Merci, pas d'autres questions. Maître Duncan? Pas de questions pour l'instant. Vous pouvez vous retirer. L'accusation appelle le docteur Rita Miller à la barre. Je suis experte en maladies génétiques. Oui, il m'a demandé d'analyser des échantillons cellulaires. Les tests ont révélé la présence d'une anémie de Fanconi. Les malades atteignent rarement l'âge adulte. Elle est difficilement détectable avant l'apparition des symptômes chez l'enfant. Il était bouleversé. Je lui ai dit que j'avais tout vérifié. Objection, votre honneur. Ce document est manifestement un témoignage par ouï-dire. Maître? J'en conviens, maître. Le document est recevable. Le témoin peut répondre. Ce registre mentionne les quatre échantillons du docteur Ramos, tous étiquetés 2AR7701. La première signature est celle du docteur Ramos, qui autorise les tests. Elle indique que le docteur Ramos a demandé d'envoyer les échantillons en Bio8. C'est la section du laboratoire où se trouve notre incinérateur de déchets médicaux. Le docteur Ramos a autorisé la destruction en laboratoire de tous les échantillons. Merci, pas d'autres questions. Maître Duncan? Comptiez-vous faire croire au jury? Objection, argumentatif. Objection retenue. Continuez, maître. Êtes-vous absolument certaine que ces échantillons ont été prélevés sur Jamie Tanner? Je ne connaissais que le code d'identification. C'est le docteur Ramos qui savait. Est-il possible que le docteur Ramos ne vous ait donné qu'une partie des échantillons? J'en doute. Le docteur Ramos m'a dit de faire très attention aux échantillons qu'il m'avait confiés, parce qu'il n'en avait pas d'autres. Je n'ai rien à ajouter. L'accusation en a terminé, votre honneur. Vous pouvez conclure. Mesdames et messieurs les jurés, les preuves montrant que l'accusé a tué le docteur Ramos sont accablantes. L'arme du crime, portant les empreintes de M. Tanner, a été retrouvée dans un tas de ferraille sur le point d'être détruit. Le docteur Ramos avait détruit tout ce qui restait du fils de M. Tanner.
Il a accompli ce geste parce qu'il ne voulait pas condamner un enfant à une brève vie de souffrance. Voilà pourquoi Martin Tanner a décidé que le docteur Ramos devait payer un tel acte de sa vie. Nous demandons au jury d'établir le verdict correct. Coupable de meurtre. Au cours de ce procès, vous n'avez entendu que des demi-vérités sorties de leur contexte, des opinions partiales et un mépris délibéré de toute preuve. Mon client n'avait aucun mobile pour tuer le docteur Ramos. Sa femme et lui avaient trouvé d'autres personnes en mesure de cloner Jamie. Leur rêve de revoir leur fils restait intact. Jamais mon client n'a voulu se venger du docteur Ramos, qui est allé jusqu'à le rembourser. Aucune des preuves matérielles présentées ne peut éliminer le doute raisonnable. En déclarant mon client non coupable, vous lui permettrez d'accomplir son rêve. La cour va maintenant se retirer pendant les délibérations du jury. Madame le premier juré, le jury est-il prêt à rendre son verdict ? Oui, votre honneur. Monsieur Tanner, levez-vous. Vous avez été accusé d'homicide volontaire. Quel est le verdict du jury ? Nous déclarons l'accusé coupable. La sentence sera prononcée dans 2 semaines. L'audience est levée. Tanner a failli s'en tirer. Nous étions partis sans preuve directe et avec un motif erroné. Duncan a fait passer tous nos témoins pour des maniaques. Mais vous avez fini en position de force. C'est ce qui compte ici. Madame Tanner a accepté la réduction de peine. Elle prendra 3 à 5 ans pour complicité d'homicide. À mon avis, elle s'en tire bien. Papas ne gagnera pas la course au clonage et les Tanner ne retrouveront pas leur Jamie. Les Tanner étaient incapables de faire leur deuil. Est-ce qu'il faut les plaindre ? Aujourd'hui, le clonage n'est plus une conjecture. C'est une question de temps.